Toujours, je dis, si tu veux comprendre, remonte à la source. Ça va te permettre d'être plus tolérant, car le chemin est tellement étonnant. Quand je pense à cette phrase « Aimez-vous les uns les autres », elle est d'actualité aujourd'hui. Elle vient d'où ? Elle vient de Jésus, d'après les textes. Mais lui, il vient d'où ? Il est né à Bethléem, il meurt à Jérusalem et il est nazaréen. Et ses parents sont d'origine juive. Et pourtant, il va être crucifié pour des pensées qui sont être contre le monde marchand, etc. Qu'est-ce qui fait que cet homme et ses disciples ont tellement marqué le monde qu'on a eu besoin de remplacer leurs prénoms par des noms européens, de changer leur visage, de faire de Marie une femme blanche alors que c'était des Arabes? Étonnant, non? Cette haine qui monte. Et cette défense, par exemple, de nos valeurs, dont la religion, le catholicisme aurait fait l'Europe, qui viennent de très loin, qui viennent des pays qui aujourd'hui sont montrés du doigt. Oui, je me sens des fois triste, parce que si on regardait nos sources, on ne pourrait pas fleurir de cette façon. Ciao.